Hey les gens, c'est Arnox et dans cette vidéo je vais vous présenter un des meilleurs serveurs free access. Donc là je vais mettre un noclip, on va voir, je suis sur la tour Eiffel est vachement belle. C'est un serveur sur base française, c'est pour ça qu'il y a la tour Eiffel, ce qui est logique. Quand j'ouvre la map, donc déjà la map elle est pas buggée, c'est à dire que si je fais des zooms, et ben il n'y a pas de souci d'affichage ni rien, ça c'est vachement cool. Là on est dans Saint-Denis, donc tout Paris est modélisé, bah tout Paris est modélisé à bon entendeur comme on dit. Ici j'ai la cité de Sévran qui est encore disponible, c'est à dire qu'il n'y a pas de chef, donc vous pouvez prendre la cité, j'ai envie de vous dire. Ici on a Paris Centre, donc il y a le PC, etc, il y a le Orpig, le MS. Ici on a Ivry, Ivry on a la cité des Gargarines, on a le port, on a Montreuil, on a Paris, on a le port de Paris, on a l'aéroport de Paris, on a Nanterre avec le cabinet d'avocats. Ici on a Aulnay-sous-Bois avec la cité des 3000, la cité très connue. Et ici c'est un peu perdu, ça c'est le reste, j'ai envie de vous dire, c'est pas très très important là-bas. On va tout de suite visiter, on va commencer par la cité des Gargarines, je vous amène tout de suite. Voilà, donc là on s'y approche, vous pouvez voir les beaux bâtiments d'HLM. Donc ça c'est la cité des Gargarines, elle est vachement belle la cité. Et je voulais dire, c'est-à-dire que tous les bâtiments ils sont modélisés. Donc là si je me mets en... si j'enlève mon noclip, je vais essayer de pas mourir. Du coup je disais, c'est à dire que je peux monter sur tous les bâtiments etc, je peux même rentrer dans certains. Vous faire visiter la cité en T-Max. Donc on peut voir qu'il y a vachement beaucoup de recoins. En mode là on peut faire de bêtes de scène, des bêtes de course poursuite etc. Tu vois, tu montes dans les immeubles et tout, franchement tu peux bien t'amuser. Là tu sors et tout, tu te mets à courir et tout, tu te barres et tout. Non franchement tu peux faire de belles scènes ici. Donc du coup ça sera les cités qui auront la main sur le trafic d'armes. Ouais, on peut voir quelques véhicules brûlés etc. Franchement je trouve ça vachement beau, franchement je la trouve vachement stylée cette cité, il y a plein de recoins et tout à explorer, je trouve ça vachement cool. Donc le serveur est encore en cours de dev un peu, donc il y a plein de petits trucs, il y a des petits bugs. Par exemple on a eu un bug avec la banque, donc ça on a réussi à le régler assez rapidement, donc c'est plutôt cool. Il y a beaucoup de recoins, des bêtes de scène que tu peux faire ici. Voilà, il y a toujours une sortie etc. Je vais vous faire spawn une petite RS6. Hop, la petite RS6 a bêté. Donc les véhicules, les gros véhicules comme ça ils sont bridés, hein. Ils vont pas au-dessus de 250 km/h, donc c'est plutôt réaliste. Mais sinon mec c'est chiant, les mecs qui roulent à 400 en ville avec des RS7, c'est bon, faut arrêter. Bon, on a fini le tour pour la cité des Gargarines, on va aller tout de suite dans une autre cité. Voilà, donc bienvenue dans la cité de Sévran. Donc c'est pas une grande cité, mais franchement elle est pas mal du tout elle aussi. Voilà, donc plein d'immeubles, plein de petits recoins cool etc. On va tout de suite aller à la cité des 3000, donc ça c'est une grosse cité, c'est même la plus grosse cité à vrai dire. Donc là on arrive dans la cité des 3000, franchement la cité elle est énorme, du sens énorme, elle est très grande, du sens énorme elle est ouf. Donc plein de bâtiments, pareil on peut tous les traverser. Donc ça c'est à Aulnay, la cité des 3000, donc c'est moi le chef. On va se balader dedans plus en profondeur. Comment elle est belle la RS6 toute black. Du coup, bon, on rentre, franchement de nuit elle est grave stylée. Perso j'ai jamais vu ça dans un serveur et le serveur il est ultra opti. Croyez pas, c'est parce qu'il y a des mappings de partout que je lag. J'ai un PC, une config à 700-800 €. Franchement, je tourne parfaitement dessus. J'ai jamais autant bien tourné sur un serveur, sans vous mentir. Même quand il y a un peu de joueurs sur le serveur, etc. Pareil, on peut rentrer dans certains bâtiments, ils sont tous modélisés, c'est-à-dire que je les transperce pas, on va dire. Regardez comment ils sont stylés, les scènes, les descentes de police qu'on peut faire, mais c'est incroyable. Les scènes, les descentes de police que tu peux faire ici, c'est un truc de ouf. Maintenant que j'ai visité toutes les cités, on va aller faire l'EMS, je pense. Je le trouve vraiment beau, honnêtement. En rouge et tout, c'est vachement beau gosse. À l'intérieur, il n'y a rien de fou. Donc c'est celui de base à l'intérieur. Mais rien que l'extérieur, je le trouve stylé de fou. Ah oui, là-bas, j'ai oublié, il y a le... comment ça s'appelle déjà? Il y a le palais de l'Elysée, et j'ai oublié de préciser sur la map, hein, on peut zoomer comme on veut, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est le palais de l'Elysée. À l'intérieur, bah voilà, je vous montre un peu l'intérieur. Donc ça c'est l'intérieur, je trouve vachement beau. Donc là c'est tout ce qui est jugement, etc. Franchement le serveur, il y a peu de monde dessus pour l'instant, on tourne peut-être à une dizaine de connectés. Mais franchement, je préfère largement être 10 et faire plein de petites scènes, plein de petites morts RP, etc. Que être à 150 sur le serveur et que ce soit un RP de merde et tout. C'est-à-dire que franchement, le serveur, il est sérieux de fou, en vrai. Tout ce qui est EMS, tout ce qui est police, ils ont leur propre véhicule français, leur tenue française. Donc franchement, je trouve ça giga stylé. Donc là, on est arrivé au commissariat, petit drapeau français, etc. Je crois que c'est sur mon jeu que c'est bugué ici. Mais normalement, c'est pas censé être bugué comme ça.
Donc là on a l'intérieur et tout qui est mapping etc. Ça c'est vraiment ça vient de mon PC hein, les trucs, ne vous inquiétez pas, c'est des escaliers normales là normalement. Ça c'est le mapping total là des stations service. Je trouve ça vachement propre hein, c'est du mapping français. Bon les gars, je pense que c'est de la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça fera vraiment extrêmement plaisir. Allez rejoindre le serveur dans la description si vous voulez en apprendre plus, etc. Sur ça les gars, je vous dis ciao.